bonjour à tous sur la chaîne. Aujourd'hui, on court un marathon majeur, celui de Chicago. On se retrouve juste après l'intro. A tout de suite. C'est bon retour sur la chaîne. Alors aujourd'hui, je me trouve l'un des 6 majeurs dans le monde. Une chance exceptionnelle, j'ai gagné, enfin, je viens surtout de récupérer la Mondossard. J'ai gagné Mondossard à la loterie. Alors n'hésitez pas à jouer à la loterie, hein, j'arrête pas de vous le rappeler. Ça coûte rien, enfin, ça coûte si, il faut quand même payer le dossard, mais vous avez quand même une chance d'être tiré au sort si vous ne faites pas des temps forcément des temps terribles. Et ben voilà. Ça sera une des solutions pour participer à ce marathon. Alors, là, on est à l'expo. Regardez, c'est juste immense. Il y en a partout. Ce matin, moi, j'ai participé aux 5 km. Hein, c'était une petite course pour se mettre en jambes. Vous avez la possibilité de faire ça avant le marathon, si ça vous dit. Je vais mettre le lien de la vidéo juste là. Que vous dire, eh ben dans le sac on vous donne un t-shirt, on vous donne des petits goodies, le dossard surtout, un petit bonnet, ça c'est le bonnet du 5K que j'avais pas pu récupérer et ça y est je l'ai récupéré, enfin. Bon allez, on se retrouve sur la ligne de départ pour ce fameux marathon édition 2022, c'est parti. L'édition du marathon de Chicago est lancée, on part ensemble pour ces 42 km, ces 26 miles, droit devant, direction d'abord le lac, après un retour vers la ville, une petite boucle à l'intérieur pour revenir par ici. Allez, c'est parti. Du matin, il y a une ambiance de folie, mais vraiment de folie. J'ai rarement vu ça dans les marathons. C'est peut-être parce que c'est un des majeurs, des 6 majeurs. On y reviendra durant la vidéo. On arrive au premier ravito, c'est-à-dire on a une balse 89 là déjà. Ah oui, pour info, je me suis mis en balse. Ça va être beaucoup plus simple pour moi psychologiquement d'avancer que d'être en kilomètre. Bon, aussi, un autre petit truc, il caille vraiment, le vent s'infiltre en fait dans les rues. Donc je pense que l'autonomie de mes batteries de GoPro ne vont pas durer très longtemps. On verra ce que ça donne au fur et à mesure, sinon je terminerai avec mon téléphone. Le son des pas des coureurs entre ces rues étroites, c'est vraiment hallucinant. En plus, les sirènes qui retentissent. Regardez-moi ça.
partir du 3ème heure de 60, c'est-à-dire un peu plus de 5 km. Que du gâteau ride. D'ailleurs, sur ce marathon, il y a très peu de nourriture. C'est principalement des gels et des boissons. Vous avez là-bas, je sais pas si vous arrivez à le voir, les militaires du contre-terrorisme. Oui, parce qu'en fait, depuis les attentats de Boston, et ben maintenant les marathons majeurs sont placés sous haute surveillance policière. On sait jamais s'il y a un fou. La police régulière est là. Et le shérif et le contre-terrorisme sont là-bas. Allez, on continue. Déjà 5 miles de fait. Donc c'est cool, plutôt en forme. Là, au soleil, on sent les rayons qui chauffent, donc c'est très bien, parce que vraiment, à l'ombre, ça caille. Voilà, une petite pause pipi, parce que les toilettes sont pas forcément disposées, il n'y en a pas forcément partout en ville, bien qu'ils soient importants, mais bon, là, j'avais envie, tant pis, on continue comme ça. Par contre, il faut faire gaffe, parce que vous pouvez vous faire prendre une bonne amende comme monsieur aussi. Et bon, là, c'est jour de course, alors ils sont peut-être un peu plus tolérants là-dessus. Ouais, encore un autre là-bas. Les arbres, encore un autre. Bon, c'est bon, j'aurai pas d'amende. Vous êtes assez vieux comme moi, de 74, vous avez tous connu la ferme Playmobil qui ressemblait à ça quand on était petit. Vraiment, c'est ça. Ah, ravito, troisième ravito. Thank you. Du gâteau raide, orange, on balance ça là, il n'y a pas de poubelle, et on continue. C'est plutôt pas mal parce que multitude de donneurs de verre, et ça ne crée pas de bouchon en fait à une table en particulier. Hop, j'en reprends un. Get the right. Let's go. Neuvième kilomètre, 6 miles, et un petit concert première. Ça y est, on arrive enfin au bord du lac qui se trouve sur ma droite. Par contre, vous avez le soleil qui est là, je ne sais pas voir grand chose. L'armée qui nous surveille au cas où. Mais bon, c'est tranquille, hein. C'est cool. Vous avez la marina ici et vous pouvez courir tout le long de l'autre côté de la route. C'est vraiment superbe. Vous pouvez partir jusqu'au Canada comme ça si vous en avez envie. Et vous vous dépêchez parce que au nord de l'État, il commence déjà à neiger. Allez, on continue. Encore de l'ambiance de folie. On est sorti de Chicago. On a terminé la boucle et on repart maintenant dans Chicago. Et ben, on en est à 8 miles 40. C'est tout droit. Il reste encore quelques heures avant l'arrivée, mais c'est toujours aussi cool.
de Chicago. Là, on refait le même parcours qu'on a fait hier pour les 5 km sur cette rue. D'ailleurs, je vous mets le lien là, juste là. Vous pouvez aller voir. Là, j'en suis à 13 miles, c'est-à-dire à la moitié. J'ai une crampe au mollet droit. Ça tire là depuis 2 miles. Je vais marcher un petit peu puis je suis reparti. Normalement je suis encore dans les temps, là c'est bon. Un Stigler offert par des spectateurs, par une spectatrice, parce qu'en fait il n'y a vraiment absolument rien à bouffer sur ce marathon. Que du liquide. Bon, je suis pas sûr que ça fasse des miracles, mais c'est comme ça. Bon, j'en suis au 17e miles. Allez, il en reste encore 9 miles. Pour finir. Mais ça va être un peu dur. Il est temps de changer de méthode. La crampe fait trop mal. On va passer en barefoot total. Je vais pouvoir articuler un peu plus mon pied, comme ça. Ça ira mieux après. C'est à peu près propre, donc ça devrait aller. Il y a juste les ravitaux qui sont un peu trempés. Il me reste 6 miles, 10 km. Allez, on y est. On va s'attacher ça. On arrive dans Chinatown. Just a city boy, born and raised in South Detroit. Allez, 7 derniers petits kilomètres, on y est presque. Ouais, 3 miles, enfin 4 miles. Ça va être trop cool. Enfin, ma blessure, elle s'atténue quand même vachement en marchant pieds nus. Parce que j'utilise vraiment tout mon pied là, tous les muscles du pied en posant. Et bah ça le masse un petit peu. Et c'est nickel. J'aurais dû le faire plus tôt, ça m'a fait perdre beaucoup de temps. Je pense que j'ai perdu facilement 40 minutes à cause de ça. Donc je vais me rapprocher des 5 heures. Ouais, à mon avis. Voire peut-être plus. On sent que la fin est proche parce que on n'entend plus personne. Là, les gens courent dans un grand silence, c'est impressionnant. Le contraste avec le départ. Là, les gens sont fatigués. On est presque à l'arrivée. Blessés, dont moi. Toujours pieds nus. Ça va mieux. Dernier virage avant encore un long mile et demi, puis l'arrivée. On y arrive, la barrière des 40 km. Je la franchis dans quelques pas. Ça y est, plus que 2 petits kilomètres et nos centaines de mètres. Première
est blessé, c'est dommage à l'arrivée. Dommage. Allez, on vient ensemble l'arrivée. Allez, c'est parti, on va vivre ensemble l'arrivée. Les derniers mètres. Dernière centaine de mètres. L'arrivée là-bas, au fond. Allez, j'accélère. Je donne tout ce que j'ai. Si j'ai plus grand chose, mais je dois donner ce que je peux. Allez, même avec ma crampe. On y est. Mon premier major, juste là. Putain, c'est terminé. C'est terminé. Trop cool. Bon, j'éteins ma montre. Je vais récupérer toutes mes petites goodies, surtout ma première médaille. Yeah, trop cool. C'est trop cool. Trop cool. Alors, ma montre 5,29, à voir avec Strava et compagnie, je sais pas. Et le temps réel, on verra ça. Bon. Regardez là. I did it. Yeah. Thanks. You welcome. Bon, apparemment, je vais être interviewé par le Chicago Marathon. Bon, bah voilà, une petite couverture de survie. Très sympa. Bon, j'ai retrouvé ma femme qui participait aussi, je sais pas où elle est. Elle est arrivée avant moi, elle a fait un super temps. Elle doit être par là. On va débriefer, je vous montre cette superbe médaille, ma première médaille d'un des marathons majeurs, des six majeurs. Je vous rappelle, il y a Chicago, Boston, New York, Londres, Berlin et Tokyo. Tokyo, ça sera le prochain au mois de mars. Ça va être cool. Et les autres, ben on verra, en fonction des loteries, parce que moi je fais souvent par loterie, donc je préfère ne pas payer. Enfin, ne pas payer, si je paye quand même l'entrée, mais bon, ça évite de passer par un organisme. Que dire de ce marathon? Eh bien, cool, très sympa, une ambiance de folie. J'arrête pas de vous le dire, enfin, c'était vraiment non-stop. Il est plat, très plat, hein. Apparemment, c'était l'un des plus rapides avant Berlin. Et ça se confirme, hein. Si j'avais pas eu ma putain de crampe à ma jambe droite, là où ma mollet droit, et ben ça serait passé, j'aurais fait un bon temps pour moi en fait, un bon temps pour moi. Bon bah ben là voilà, je suis passé au-delà de la barre des 5 heures, c'est comme ça. Mais bon, c'est pas grave, je l'ai fait, on passe au suivant. L'organisation nickel, les ravitaux, ben, ils sont vachement bien faits parce qu'en fait, pareil de chaque côté, mais tout en longueur, et vraiment tout en longueur, donc en fait vous n'avez pas besoin de vous bouchonner à un endroit, vous continuez, vous trouvez du gâteau raide, de l'eau. Alors ça par contre, le mauvais côté, il n'y a que des boissons, mais vraiment que des boissons. Et quand que des boissons, c'est du gâteau raide ou de l'eau, hein. C'est pas du coca, c'est pas autre chose, c'est rien d'autre. Vous avez des fois des barres sucrées, mais enfin des barres sucrées, des barres en gel, mais pas tout le temps. Par contre, du solide, bah, vous en avez que dalle. Moi, j'ai eu une fois une banane et c'était au 23e max, c'est-à-dire à l'arrivée. Donc ça, c'est un peu dommage, bah, je dirais. Bon, bah voilà. Un autre petit truc, allez, pendant qu'on est dans les petits détails, pour récupérer son dossard, c'est ouvert jusqu'à 18h. C'est dommage parce que si vous arrivez le jour même de France, eh ben, vous ne pourrez pas y aller. Tout simplement parce que vous n'aurez pas le temps. À moins d'arriver tôt le matin, mais arriver tôt le matin, ça veut dire que vous êtes parti le jeudi soir en France. Sinon, c'est impossible. C'est impossible d'arriver à temps. Donc, bah, c'est un peu dommage, voilà. Mais c'est vraiment des détails, ça. Donc, pensez-y. Pensez à venir la veille ou bien récupérer, voilà. Parce que moi, quand j'ai fait mon 5 km, c'était très difficile à avoir récupéré ce dossard.
voire impossible. 40 000 participants aujourd'hui, plus de 100 nations. Ça fait rêver, celui-ci fait rêver. Ça commence à se vider tout doucement. Les élites, eux, ils sont déjà arrivés depuis longtemps, ils sont déjà même repartis, je suis. voilà. Tintin de Chicago, c'est par là. Donc en fait, on est monté, on a longé le lac qui était juste là-bas. On est passé sur Tintin, on est remonté sur le lac, on a fait une boucle, on est redescendu le long du lac. Et après, on est parti dans West Chicago. West Chicago, que je connaissais pas réellement en fait. Hein. On était assez loin dans West Chicago. On est revenu par ici. Et après, on est parti loin, là-bas. Pareil, une boucle, on est revenu. Elle était un peu interminable cette boucle. Alors peut-être parce que j'étais fatigué à cause de ma crampe. Mais sinon, voilà. Et l'arrivée, bah nickel, voilà. Alors qu'est-ce qu'il vous donne? Bah il vous donne pas grand-chose, il vous donne une bière. Et une bière, il faut la boire maintenant parce que vous n'avez pas le droit de boire. Hein. Je vous le rappelle, c'était aux États-Unis. Vous n'avez pas le droit de boire dans les lieux publics, à moins que ça soit caché dans un sac. Et il faut avoir 21 ans. Donc si vous faites le marathon à 18 ans, pas de bière pour vous, désolé. Vous avez de quelques liquides, de quelques compotes et trucs comme ça, mais bon, rien de spécial. Et une couverture de survie, voilà. Là, heureusement, bah regardez, il fait 19 degrés. Ce matin, on est parti, il faisait 7 degrés. Ressenti 3 degrés avec le vent. J'ai eu un peu froid, un petit peu au début, même en courant, parce qu'en fait, on passe soleil, ombre. Et avec le vent qui s'engouffrait, bah, voilà, on transpire et puis après, on a froid. C'est peut-être dû, la cause de peut-être de ma crampe, c'est peut-être ça en fait. J'ai peut-être chopé un coup de froid ici. J'aurais dû mettre de la vaseline pour éviter d'avoir froid. Bon bah sinon, allez, encore une fois, je vous la remonte. Elle est belle. Ma première, la deuxième Tokyo. Bon, moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures à travers le monde. Je ne sais pas où encore, on se retrouvera quelque part. Salut, portez-vous bien, courez bien, prenez du bon temps, surtout c'est ce qu'il faut, prendre du bon temps. Allez, tchuss, salut.